Maintenant, debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire Ésaïe chapitre 53. On peut continuer. Ben, viens, on va continuer. Ésaïe 53. Le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Luc chapitre 7, verset 36. Luc 7, 36. Sabo, tuku, misato na motoba. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la vallée. Et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et s'éteint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et l'oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, l'ayant, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. » Il connaîtra que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Parle, répondit-il. Voyez l'hypocrisie. Il ne croyait pas qu'il était prophète. Mais quand tu lui dis, j'ai quelque chose à te dire, il a répondu pour dire quoi? Maître. Il appelait maître, pas d'hypocrisie. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il est remis à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimeraient le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Fait vraiment très chaud. Je ne vais pas vous garder pendant longtemps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, adorable Père très saint, après avoir lu et donné ses principes, nous voulons écouter un peu la parole du Seigneur ce matin. Nous voulons, Dieu bien-aimé, que par ta grâce, que toi tu puisses nous assister dans ce que j'aurai à dire maintenant. Où est ma bouche? Où est les oreilles de ton peuple? Parle-nous toi-même du haut des cieux. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons essayer de continuer avec notre pensée. Les choses essentielles. Je vais parler ce matin. Mais nous allons voir une chose nécessaire. Parmi les choses nécessaires. Parmi les choses nécessaires ou essentielles. J'aimerais mettre un accent sur une chose. Cette chose-là, nous allons parler un peu de l'humilité. Puisque Dieu voulant, le dimanche prochain, ou l'autre semaine, nous allons introduire le livre des Sceaux. Mais frère Manam, avant de parler des livres des Sceaux, la chose qui était trop curieuse, que alors que les gens venaient ce matin-là pour écouter les livres des Sceaux, qu'il avait prédit ou bien promis pendant longtemps que ça sera des moments merveilleux, ça sera un message grand, un message qui est le sommet de son ministère. Alors qu'il venait pour ce fait-là, ils arrivent ces jours-là, au lieu de commencer par les sons pour lesquels ils étaient venus en masse. En masse. Ils étaient venus en masse, nombreux. Ils étaient venus pour ces sauts. Mais arrivés sur place, au lieu qu'ils commencent avec les sons, il introduit un message qu'il a intitulé Dieu caché et révélé dans la simplicité. Je vais attendre un amen à cela. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Un Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. C'est le premier message qu'il introduit. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce message-là? Alors qu'ils sont venus le matin là, le prophète nous dit ceci. Donc Dieu caché et révélé dans la simplicité. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Il parle des réunions solennelles. Le paragraphe 94. Et il parle de ça. Après avoir lu la vie de David. Maintenant écoutez. Nous nous attendons pendant la semaine qui vient.
à une des réunions les plus solennelles qui ait jamais eu lieu dans les tabernacles. Frère Branham, par son ministère, il a commencé à prêcher le message en 1933. Et depuis 1933, qu'il a commencé à prêcher le message, le prophète nous dit que depuis 1933, il a terminé son ministère en 1965. Maintenant, il dit ceci. De 1933 jusqu'en 1963. 63. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut nous acheter un bon tableau ici. Il y a des gens qui ne savent même pas de savoir ce qui se passe dans les églises. Tous c'est les pasteurs qui voient qu'ici ça ne marche pas. De 1933 à 1963, Frère Branham dit, de toutes les réunions qu'il a eues, est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les réunions qu'il a eues, de 1933 à 1963, c'était au mois de mars, à la période du printemps, il s'apprêtait de prêcher sur l'ouverture de cette zone. Et il dit, les réunions concernant les sept zones étaient les réunions les plus solennelles que le Branham Tabernacle n'a jamais eu depuis son existence. Mais avant d'introduire de telles réunions, solennelles, les plus importantes, les sommets de son ministère, la pierre de fête de sa, la pierre de fête de la construction, la finalité de son message, afin de l'introduire, il avait déjà annoncé que ça sera solennel. Les grandes réunions, les trois impôts, ça sera merveilleux. Les sept tonnerres, il a annoncé, Mais les jours suivent, ils viennent pour qu'ils écoutent ça. Le ministère de Frère Branham était plein de surnaturel. Il y avait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de signes. Je m'imagine que ce jour-là, les gens venaient avec une idée que de tout ce qu'on a vu, ce qu'on verra ce jour, ça sera spectaculaire, extraordinaire. Mais ils arrivent les jours chiffres. Frère Branham monte à la chaîne. Il commence d'abord à parler de l'ordre, la discipline, l'adoration, les lieux consacrés à Dieu pour que Dieu reste. Il commence à parler du caractère des croyants. Il parle de ça, il parle de ça. Il termine, il prend la Bible et pour introduire son message, il dit, nous nous attendons pendant la semaine qui vient à une des réunions les plus solennelles qui n'ait jamais eu lieu dans le tabernacle. Nous nous attendons avec ça, avec impatience. Maintenant, cela ne m'est pas venu, cela m'est venu avec
Cela m'est venu que vers quoi, que la nuit dernière, très tard, vers les petites heures du matin, j'étais en prière et j'ai commencé à entrevoir quelque chose. Alors j'ai confiance que ça sera comment? Un grand moment. Et je crois que ce le sera. Si le Seigneur nous vient en aide. Quand j'ai dit un grand moment là wana, ce matin wana, je vais parler de quelque chose moko, qui se rapporte à ça. Oyo, ezaliko eloko wana monene. Oh, mais j'aimerais entendre votre amen. Quand je vous annonce que c'est un grand moment, alors vous attendez à un grand moment, un grand moment spectaculaire. Mais je vous annonce ce matin quelque chose qui est lié à ce grand moment. Et quelle est cette chose? Sautons d'abord ça. Écoutez. Boyoka. Qui est lié à ça? Qui se rapporte à ça? Écoutez. Boyoka. Vous savez. Boyebi. Écoutez. Boyoka. Vous savez. Boyebi. Ce que l'homme appelle grand. Eloko motabenga keloko monene. Parfois. Balamususu. Ce n'est pas grand. Yangola te eloko monene. Mais ce que Dieu appelle grand, l'homme lui l'appelle folie. Et ce que Dieu appelle folie, l'homme l'appelle. Alors, n'oublions pas ça. Passons. Il dit pensons chaque mot. Amen. Amen. Maintenant, Sikawa, ce sont des réunions qui sont longues. Elles se prolongent parce que ce sont des réunions difficiles. Pourquoi? Beaucoup d'enseignements. Et je crois que c'est aussi une très bonne chose. On a deux types de prédicateurs. Les prédicateurs, les autres sont les évangélistes. Les autres sont les apôtres. Les autres sont des pasteurs. Les autres sont des docteurs. Mais si vous avez un ministère qui opère dans le domaine de beaucoup des enseignements, les réunions seront comment? Ça sera comment? Ça, c'est même pas moi qui le dis. C'est Frère Banam qui le dit. Je ne dis pas aujourd'hui que je vais vous garder pendant longtemps. Mais j'aimerais que ça entre bien. Est-ce que vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Il dit, si les réunions sont longues et prolongées, cela veut dire c'est lié à l'enseignement. La prédication n'est pas compliquée. Ce n'est pas trop compliqué. Donnez-moi un peu le livre de l'adoption, là, pour que vous voyez la différence entre les deux. Mais comme là, j'étais en train d'avancer, je suis en train de prier aux anges du Seigneur. Ils m'aident à courter mon temps de l'enseignement. C'est votre prière? Ah, merci beaucoup. Donc, je peux continuer. Hein? Être très long là. Ok. Balamo. Frère Banam dit ceci dans l'adoption. Na bokonzi na bana ndeko na malobi boye. Deuxième partie dit ceci. Te ami bala lobi boye. Dit alobi. Nous sommes dans le paragraphe 6. Etenya motoba.
Dans le message Adoption des impartis, l'épître aux Éphésiens, comparable à celui de Josué, prêchait les 15 mai 60. Nous sommes dans le paragraphe 6. Et la motoba, enseigner la Bible, côté la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu. Vous voyez, comme des aventuriers sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que nous considérons comme une pleine compréhension. Côté position. Une pleine compréhension. Côté position. Là où nous sommes. À l'heure qu'il est. La période que nous traversons. Il est indispensable que nous amenons le peuple à une véritable compréhension du côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, l'enseignement malakisi va plus loin. Et kendaka mosika mingi koleka. J'aimerais entendre votre amen. L'enseignement va plus loin que quoi? Malakisi kendaka mosika koleka eloko nini? Plus loin que quoi? Koleka nini? Que la prédication. Liteya. L'enseignement va plus loin. Malakisi kendaka mosika koleka. C'est la voix de Dieu. Mais il faut être à la page. Non, j'ai peut-être très bien dit. Hein, pour que les gens puissent vraiment comprendre la même chose. C'est la voix de Dieu. Allez-y. L'enseignement va plus loin. Malakisi, yango kenda kamosika koleka. Que la prédication. Kolekalité ya. C'est un peu particulièrement. Kwenda kote la penza mingi. Pour l'Église. Pour l'Église. Or généralement, donc ademba la prédication va attraper le pécheur. Yango kenda kapona kokanga mosumu ki. Le culpabiliser. Pe et la kisi sika kwa isamane zali. Le culpabiliser par la parole, mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Position. Donc chaque personne qui ne connaît pas sa position par rapport à la parole n'aura pas la vraie foi. Voilà pourquoi frère madame dit, maintenant nous retournons dans Dieu caché. Maintenant ce sont des réunions longues. Elles se prolongent parce que ce sont des réunions difficiles. Beaucoup d'enseignements et de consécration. Maintenant écoutez, il continue. Maintenant, dans le paragraphe 113. Écoutez bien. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous remarquez d'abord ici, il a lu la parole. Dans le paragraphe 107, il a lu la parole, il est retourné peu dans 107. Vous avez compris très bien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? L'écriture que nous venons de lire. C'est Esaïe chapitre combien? 53. À qui
dit le bras de l'Éternel s'est révélé. Je vais lire, écoutons bien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. Je m'attendais à un amen à cela. En d'autres termes, si vous avez cru à ce qui vous a été révélé, cela veut dire que le bras de l'Éternel vous a été révélé. On ne croit pas par hasard. Croire, c'est un grand mystère. Pour que quelqu'un croie, Dieu doit se révéler à Satan. Voilà pourquoi. Je ne suis pas dans le message. Dans un hasard. Même si mes parents étaient dans le message. Et je suis né dans le message. Mais à un certain moment, je dois quitter la dimension. Un enfant né dans le message. Qui vient derrière les parents. Entrer dans une dimension. Où l'Éternel lui-même. Son bras se révèle. Il m'appelle. Là quand il m'appelle, c'est le petit papa. C'est le petit maman. Papa peut m'abandonner. Papa peut m'abandonner. Mais si je connais ma position, je dirais que les autres lâchent, que les autres abandonnent, mais moi, j'irai jusqu'au bout. Sans papa, sans maman, sans pasteur, j'irai jusqu'au bout. Quand nous avons vu le vendredi, Daniel était à Babylone. Ils étaient au nombre de combien? 4 personnes seulement. Sans église, sans pasteur, personne. Ils étaient seuls. Dans un pays de païens. Combien des années? 68 ans. En plus de ça, sans le Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais ils ont tenu bon. Pourquoi? À cause du message de Daniel. Oh, Daniel. Daniel a connu en partie. A prophétisé en partie. Il y a des choses que Daniel a dit. Il a posé la question. Qu'est-ce que cela signifie? On a dit à Daniel, cache ces choses. Celle le lit. Jusqu'au temps de la fin. Beaucoup la liront. La connaissance augmentera. Aujourd'hui, on a reçu le plus que Daniel. Le plus que Daniel. Dieu s'est déversé. Lui-même. Il est descendu. Et ils ont tenu bon. Pendant 68 ans. Ils ont tenu bon. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Continuons la lecture. Autre m'a dit, si vous avez cru à ce que nous avons été annoncés, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. Qui a cru à ce que nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Là, je vais aussi lire dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 11, le verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole. Il dit, je t'ai loupé. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, retenu de ce que tu veux ainsi. Amen. Il s'est réjoui. À ce pays-là qui, que les choses ne sont ainsi, que les autres ne connaissent
pas. Pour les autres, que ça soit leur caché. Mais pour les autres, que ça soit leur révélé. Il a apprécié ça. Est-ce qu'en Dieu, il y a de l'injustice? Non. Mais il était content. Il a sorti ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Saisissez bien ce dépassage de l'écriture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Et ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché, le mystère. Le mystère. Voilà, le mystère aux sages et aux intelligents de ce qui les a révélés. Et puis les révélerait aux enfants qui voulaient apprendre. Tout le mystère, Dieu a dit qu'il le révélerait aux enfants qui veulent apprendre. Mais écoutez-moi bien. Parmi ceux qui veulent apprendre, ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Il y a une catégorie dans ces enfants à qui ces choses-là seront révélées. J'aimerais que nous les découvrons. Allons dans le psaume 119. Le verset 130. À qui Dieu peut-il se révéler? Qui sont ces enfants-là? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est tous ces enfants qui vont se révéler à eux? Qui sont ces enfants? Le psaume 119. C'est parmi les psaumes les plus merveilleux. 119 et 130. Les versets 130. Zembo kama na zomi na libwa. Le verset 130. Zila ya kama moko na tukumi sato. Écoutez. Boyoka. Nous sommes dans le monde de la révélation. Toza na kata mokilemoni seli. N'est-ce pas? Boyete. Et qu'est-ce qu'il dit? Alubinini. D'abord, commencez par 129. Toba na na kama moko na tukumi bale na libwa. Tes préceptes. Malako na yo. Sont admirables. Zali kitoko mingi. Aussi mon âme. Boye mamoto langa kate. Les observe. Zali koto satoko meme ya yango. Voilà ce que David voulait. Tala o David alinga ki. Il dit les préceptes de l'Éternel. Abi miboko malako na yawe. Sont admirables. Zali kitoko. Et l'âme de David. Boye mamoto la kate David. Aimait d'observer ça. Zali ko linga koto sa yango. Le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Oh, j'aimerais entendre votre amen. Cet éclairage, ce n'est pas des lampes comme ça. On a pris l'exemple des lampes pour parler de l'éclairage. Il ne s'agit pas de l'éclairage naturel. Non, cet éclairage, c'est un éclairage spirituel. C'est la chose qu'on appelle la vision. La révélation de ta parole est claire. Maintenant, écoutez, elle donne de l'intelligence au simple. Et pas la bataille comme ça.
Donc vous voyez que pour que le bras de l'Éternel te soit révélé, pour que tes yeux soient éclairés, pour que ta vision comment tu marches dans le christianisme, que ça soit éclairé, il faut que tu sois un simple. Et Seigneur, c'est la montagne comme ça, Il faut que tu sois humble. Si tu n'es pas humble, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas. Tu n'avanceras pas. Voilà pourquoi, quand on entre dans le domaine des mystères, de tout ce que Frère Branham a prêché, le message est sommet des mystères. C'est la révélation de sept sceaux. Mais avant de les introduire, nous introduit d'abord la chose que par laquelle vous aurez la capacité de comprendre le mystère que Dieu vous le révèle. Non simplement que moi je le prêche, mais que vous-même vous le comprenez. Voilà pourquoi le bonhomme dit, saisissez bien ces deux passages. Qui a crié à ce que nous était annoncé? Paragraphe 111. À qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché ce mystère aux sages, aux intelligents, de ce qu'il voulait et qu'il le révélerait aux enfants qui voulaient apprendre. Car à Dieu a trouvé bon d'agir ainsi. Mais maintenant, ce texte ou ce contexte de la lecture des Écritures, je dirais ce sujet. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, c'est à cause des bandes que je répète tout le temps. À cause des bandes, vous voyez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Lui qui est le sauveur. Lui qui est venu pour sauver tout le monde. Il se cache pour quelle raison? Il a peur de qui? Qui va l'arrêter? Qui va le tuer? Pourquoi il se cache? Et même vous remarquerez même que même devant son trône, il a même des gardes du corps. Et en grand nombre, il a les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui sont tout autour de lui. Mais il se cache pour quelle raison? Pour quelle raison il se cache? Est-ce qu'il a peur? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu fera une chose pareille? Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que la sagesse va le manquer d'un million de miles à cause de ça. Le royaume des cieux, c'est pour les enfants de Dieu. Mais sur la terre, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants de Satan. Et les enfants de Satan ne sont pas à l'extérieur. Ils viennent à l'église. Ils adorent avec nous. On est ensemble. Ils ont aussi besoin d'aller au ciel.
pensez pas que leur désir c'est d'aller en Afrique. Même les papes de Rome, son grand désir c'est d'entrer au ciel. Personne n'entrera dans un séminaire pour faire à peu près 14 ans sachant qu'il ira en Afrique. Et il va faire tout ça. Est-ce que c'est possible? C'est impossible, pas possible. Il ne peut pas le faire. S'il le fait, il est en train d'étudier Dieu. C'est pour ce qu'il espère que un de ces jours j'aurai la vie éternelle. Mais malheureusement, cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui étudie, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors par sa souveraineté, pour que tout le monde n'entre pas et que tout le monde ne voit pas, Jésus a dit: heureux sont vos yeux qui voient ces choses, et laissez les oreilles, vos oreilles, parce que ça écoute. Et on lui pose la question: pourquoi tu ne parles pas en parabole? Il dit: parce que vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur fera une telle chose? Écoutez. La sagesse va le manquer d'un million de mal. Des miles à cause de ça. Ensuite, il va faire demi-tour. Et dans cela, cette chose, tout est simple. Il y a comme ça qui s'appelle. Une chose si simple. Et là, comment on peut ça? Dieu se cache à l'intérieur. Pour que les sages, qui sont très intelligents, ne puissent pas les voir. Écoutez, Boyoka, tout est simple. Dans la simplicité de sa façon de faire. La façon de Dieu de faire, c'est comment? C'est dans la simplicité. Dieu travaille dans la simplicité. C'est dans sa simplicité. C'est sa manière de travailler. C'est dans la simplicité. Voilà pourquoi il dit: il va se révéler encore. J'ai pensé qu'on aurait lu à un sujet à étudier avant d'aborder ces grands enseignements de ces sceaux. Bien des gens les manqueraient à cause de la façon dont ils se révèlent. Avant d'entrer dans les sceaux, je voulais qu'on parle de la simplicité pour que les gens comprennent, que les enfants de Dieu saisissent. 114, je dis ceci: or les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Et il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Mais il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il ne tient pas compte? Parce que ce qu'il est en train de faire, il le fait très souvent dans une grande simplicité que vous ne saurez jamais. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la simplicité, l'humilité, être simple. J'aimerais entendre votre amen à ça. Être simple. Que signifie être simple? Qu'est-ce que cela signifie?
Qu'est-ce que cela signifie d'être humble? Pour que Dieu se révèle en toi. Cela signifie quoi? Lisons d'abord quelque chose. Le Dieu que vous adorez, vous devez vraiment le connaître avant de le servir. Prenez d'abord 2 Samuel chapitre 22. Le Dieu là que vous adorez, vous devez le connaître. David, c'est parmi les hommes qui avait connu Dieu. David ezali na kata bato bayebaka penza Nzambe. Mais quel était le secret de David? Kasekela David ezalaki nini? Est-ce que vous savez que Dieu avait dit à David qu'il était un homme selon son cœur? Ezalaka motenge bene motema na ye. Hein? Il était un homme selon son cœur. 2 Samuel chapitre 22. Est-ce que vous savez cela? Prenons d'abord Actes des Apôtres chapitre 13. Pour que vous lisez cela. Le verset 22. Vous voulez marcher avec Dieu. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Les gens disent très souvent, Nzambe bundelangai. Dieu combat pour moi. Ah, oh Seigneur, entre dans mon histoire. Oh, il prie comme ça. Seigneur, j'aimerais que tu combattes pour moi. Pour attirer Dieu. Pour que Dieu entre dans ton combat. Pour que Dieu soit devant. Il vient comment? Dieu a des principes. J'aimerais que l'écriture que nous lisons maintenant, que vous preniez ça au sérieux. Dieu, c'est un Dieu de principes. Je vais attendre un amen à ça. Tu ne peux jamais faire entrer Dieu dans une histoire en dehors de ses principes. Il n'entrera pas. Ce n'est pas l'argent qui le fera entrer. Ce n'est pas des cris qui le fera entrer. Mais c'est un Dieu de principes. Et dans ses principes, écoutez comment il agit. Le verset 24. C'est David qui le dit. C'est un cantique que David a chanté. Si vous lisez dans le verset 15, dans le chapitre 21, vous allez remarquer là, David a eu une grande bataille. Une très grande bataille contre les Philistins. Et Dieu l'a donné la victoire. Lisons d'abord ça. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Il combattit les Philistins. David était comment? Il était comment? Ah, finalement. David était comment? Le verset 15. Quand tu vois comment? Finalement, c'est quoi? Chapitre 21, verset 15. 2 Samuel. Chapitre 21. J'aimerais que vous lisez avec moi. David était comment? Le verset 15. Il était comment? David était comment? David Azalaki Boni. Alembaki. J'aimerais très bien que ça entre. Je sais pourquoi je dis ça. David était fatigué. David Alembaki. C'est-à-dire que s'il devait rapporter une victoire, ça ne sera en aucun cas avec sa force. Parce que lui-même était déjà comment? Fatigué. Donc, quand
quand on entre dans une bataille, mais tant que si on y entre avec la force, tant que je suis quelque chose, je vais me battre. Sachez-le que l'échec vous attend. Quand Dieu parle de la simplicité, vous allez comprendre le pourquoi les simples gagneront toujours. David était fatigué. David y a l'embaki. Et Jeshbi, Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était saint d'une épée neuve. Abishai. Fils de Tchérouja, vint au secours de David. Il frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David girèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y a eu encore après cela une bataille à Gob avec le Philistin. Alors Sebakaï et Ushatite. Au chapitre, il dit, il tua Saf. Aboma qui s'affaire. Et qui était l'un des enfants de Rapha. Et il y a eu encore une bataille. À Gob avec les Philistins. Et El Shaunan, fils de Gera. Oreguim, de Bethléem, tua Goliath, de Gat. Et qui avait une lance dont le poids était comme une en souple de tisserand. Il y a eu encore une taille, une bataille. À Gat, il se trouva un homme. Il y a Molaï Penza. Il avait six doigts. À chaque main. Et à chaque pied. 24 en tout. Et qui était assis issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Shimea. Frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Et quand tout cela était fini, David prendra maintenant la guitare. David composer une chanson. Et il va commencer à chanter. Pour comprendre le Dieu que vous utilisez, vous adorez. Et il agit comment? Il a commencé à chanter, Et allons directement dans le verset 24. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Amen. Amen. C'est David qui chante. David il dit, j'étais contre mes propres iniquités. Lui, David. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. L'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Selon ma pureté. Devant ses yeux. Écoutez. Le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres. Lisons très bien. C'est Dieu que vous adorez. C'est lui que nous prêchons. Comment il marche avec les gens? Quand vous allez marcher avec lui, comment il va te traiter? De quelle manière il va te traiter? De quelle manière il va collaborer avec toi? David nous dit, avec celui qui est bon, tu te montres.
avec l'homme na moto qui est droit wa tali sembo tu agis yo pesala de l'autre à droite tu yé na bosembo na yo mais je m'attendais na mena ça la cabane ango tu agiras selon ta droite o ko sala pela ko na bosembo na yo maintenant Chigawa. Avec celui qui est pur, tu te montres, tu te montres avec le perverse. Tu agis selon sa perversité. Si le perverti, Dieu aussi va le traiter selon sa perversité. Tu sauves le peuple. Vous allez copier qui s'abatte. Hein? Tu sauves le peuple. Vous allez copier qui s'alimente. Qui s'humilie. Oh, vous allez copier qui dit ça. Et de ton regard. Mais où t'as la mission là, yo? Tu abaisses. Vous allez copier qui dit ça. Les orgueilleux. Catalolendo. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Voilà pourquoi David, il y avait un secret. C'est quel est mon fait? Pourquoi tu lui as donné des victoires et des victoires? Il était fatigué. Il dormait. Alala qui? Le Philistin vient avec une lance. Alors que David dormait, David venait pour le tuer directement. Alors qu'il voulait tuer, un autre fils d'Israël, Shirvin, il tue le Philistin. Qui a sauvé David? Est-ce que c'est le garçon? Mais qui a sauvé David? C'était Dieu derrière les garçons. Mais pourquoi Dieu a sauvé David? David nous révèle, il dit, il sauve le peuple qui s'humilie. Et dont le regard était ton regard. Était ton regard. Tu as baisse les orgueilleux. Oui. Tu as ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Voilà pourquoi dans le Acte des apôtres, dans le chapitre 13 et le verset 22, nous allons voir quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu es dit? On peut commencer par le verset 20. Et après cela, il y a 450 environ. Il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils lui demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans, Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi. Qui suscita pour roi? Dieu lui-même. Il suscita pour roi. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme, c'est l'homme au cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà pourquoi, frère Branham, en introduisant Dieu caché, et révélé dans la simplicité, dans le paragraphe, 66, pour parler de ce Dieu caché, il nous ramène à David. Écoutez. Et maintenant, je vais lire dans les livres de 1 Chroniques, dans le chapitre 17. Lorsque David fut établi dans la maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre, l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce qui est à ton cœur, car Dieu est avec
toi. Là, nous suivons la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Va dire à David, mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel. Ça ne sera pas toi qui me bâtira une maison et que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Vous pouvez lire la suite. Vous allez remarquer que à l'occasion de prendre cet arche, David a fait une erreur. Il est allé prendre des généraux, beaucoup de gens. Il a fait une grande assemblée. Il a mis l'arche de l'alliance, des chars neufs, et ils ont commencé à mener l'arche. Dieu a tué Uzza. Pour quelle raison? Puisque l'arche n'était pas conduit selon le principe. Et David, quand Uzza est mort, David était mécontent, il a eu peur. Il a tremblé. L'arche est allée dans la maison d'Obed. Obed était un homme humble et pauvre. Mais quand il a reçu l'arche, l'arche est entrée dans sa maison, Obed est devenu riche. Dieu l'a béni. L'arche de l'alliance, aujourd'hui c'est quoi? C'est le message du temps de la fin. Quand vous recevez cet arche avec un esprit humble qui résiste aux orgueilleux, il faut miséricorde aux humbles. Je vais attendre un amen à ça. Ce que je viens de lire là, ce que je viens de dire, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça. Samuel, même dans 2 Samuel chapitre 6. Bon, vous pouvez lire ça là-bas. Chapitre 6, le verset 12 à 23. C'est bien que nous le lisons. Pour que vous compreniez très très bien. Pourquoi Dieu aimait David? Il a dit qu'il était un homme selon son cœur. Hein, David avait quoi au juste? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Pour que Dieu fasse une telle déclaration. Qu'il était un homme selon son cœur. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Vous allez voir là? Je vais très bien, je vais terminer bientôt. Voilà, la madame, la suite, la consiste à m'attendre, ok. La minute est tout comme il balait. Laissez tous ceux qui sortent là de gauche à droite pour te laisser les tranquilles. Vous êtes venus pour écouter quelque chose. N'est-ce pas? Il fait froid ou chaud. Mais je vais vous dire ce matin, supportez cette chaleur en écoutant la parole. Puisque ceci vous éviterait une chaleur qui ne peut jamais être comparable à cette chaleur. Vraie madame dit, j'aimerais mieux écouter la parole dans cette chaleur, parce que la chaleur est de l'enfer est plus difficile à supporter que cette chaleur. Le problème est quitter cette chair, entrer dans une certaine dimension. Et vous allez très très bien écouter la parole. Et le verset 12. Écoutez maintenant. On veut dire au roi David que l'Éternel avait béni la maison de qui? La maison de qui? D'Obed. Puisque la maison d'Obed avait reçu l'arche de l'alliance. Alors que David lui-même, en l'emportant, vous pouvez lire ça dans le verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air, de Nakon, Uzza étendit sa main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le peuple faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma.
contre Uzza. Et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uzza mourut là. Près de l'arche de Dieu. David fit comment? Irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza. D'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour. Peret Uzza. David dit quoi? Il peur de l'Éternel en ces jours-là. Donc dans son tremblement, dans sa peur, il s'est humilié. Il est rentré à la maison. On vient d'apprendre que cette tâche-là qui était allée dans la maison d'Obed, Dieu l'a béni abondamment. Obed Edom et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il est monté à l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Edom. Jusqu'à où? À la cité de David. Au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait six pas. En sacrifiant un bœuf et un veau gras. L'arche marchait. Avec les chants de danse. Maintenant écoutez. Et David était si content qu'un roi commençait à danser devant l'arche. Et il ne dansait pas comme d'habitude. Il dansait là, il lançait les pieds, le main, il criait. Alors en dansant, comme à l'époque d'Israël, ils habillaient en robe. Mais quand ils s'étaient habillés en robe, Dieu leur avait donné l'instruction de porter un sous-vêtement que la Bible appelle caleçon. Allez lire ça dans l'Exode. Qui devait venir jusqu'ici? Et avec quelque chose comme des lacets. Qui devait se tirer ici? Puisqu'on ne devait pas entrer dans la présence de l'Éternel nu. Dieu dit, je ne veux pas voir ta nudité. Donc vous apprendrez, vous le savez. Vous qui portez des robes transparentes. Comment les gens voient ton sous-vêtement? Dans les jours de l'Éternel. Dieu ne voulait pas voir la nudité de quelqu'un. Il a dit de porter les caleçons. Qui était jusqu'ici? Vous voulez une citation pour ça? Hein? Devait porter un caleçon. Un sous-vêtement. Et la main Kati. Dans le message de l'orgueil. Paragraphe 34. Prêché le 7 août 65. Paragraphe 34. Cherchez ça rapidement. Portez un caleçon. Mais qui était fermé jusqu'au genou. Toi-même me prenez ça rapidement, non? Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit, et quand une personne marchait en Palestine, les sous-vêtements s'arrêtaient au niveau des genoux. Mais dites un amen à ça. Voilà pourquoi le prophète dit, la culotte dans le vrai sens, coupée. Ce n'est pas un habit des hommes.
C'est les caleçons de sœurs. Donc porter une culotte jusqu'ici, c'est qu'elle est devenue une mode, c'est sortir dans la rue avec un sous-vêtement de femme. C'est-à-dire que tu as pris le sous-vêtement de ta femme, tu as porté ça, et tu sors dans la rue, alors tu es en abomination. Et surtout, vous portez un sous-vêtement comme ça, et torche nu, avec un cinglet, dans la maison, devant la télévision, un païen tout fait, un incrédule, quelqu'un qui ne croit rien. J'aimerais entendre votre amen à ça. Faites sortir la citation, non? Dans le son. Hein? 34. Vous n'avez pas pris la date. Allez. Lisons. En Palestine, allons-y, nous tous. Coloré. En Palestine. Et quand une personne marche en Palestine. Les sous-vêtements s'arrêtaient à quel niveau? Au niveau des genoux. Et puis c'était où? Au-dessous de la robe. Donc, malgré les nzambalala, mais au-dessus de ces nzambalala, Dieu leur avait demandé de mettre quoi? Un sous-vêtement qui partait jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau des genoux. C'était ça à l'époque. Alors, David portait ça. David alors, il dansait comme ça. Et puis finalement, ça s'est fait découvert. Et sa femme, Michal, la fille de Saoul, dès qu'elle a vu ça, elle était tellement indignée. Elle avait honte de l'homme. Comment son mari est roi? Il peut se découvrir comme ça. Alors, quand David est rentré à la maison, écoutez comment sa femme la reçoit. Quand David y a achevé le verset 18, d'offrir l'Holocauste. Et le sacrifice d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, des armées. Puis il distribua tout à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël. David se retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui! Quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. J'aimerais entendre votre amen. Un homme. Donc il est un vulgaire monsieur. Donc pour cette fille de Saoul, c'est une fille qui faisait la catégorisation des gens. Exactement. Oh, je m'entendais à votre amen à ça. C'est une fille éduquée. Il a beaucoup étudié. Son père, c'est un homme intelligent. En fait, il dit Saoul était plus géant de tout Israël. Éduqué. Il dit c'est un théologien. Un licencié. Ce n'était pas n'importe qui en Israël. Alors, il a éduqué ses enfants de la même manière. Ses enfants étaient en Israël, savaient les catégories des gens. Pour Michal, il y avait des hommes de rien en Israël. Et pour Michal, il y avait des hommes importants en Israël. Pour Michal, il y avait des hommes d'une classe moyenne.
qui ne sont pas de rien, qui ne sont pas aussi très élevés, mais qui sont quelque part. Mais pour David et elle-même, ils étaient le sommet du pays. Oh, notre Dieu que nous adorons ne fait pas exception de personne. Je ne sais pas comment vous faire entrer ça. J'aimerais que cette chose entre. J'aimerais entendre votre amen. Même dans nos cœurs. C'est maintenant que nous sommes là. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont très importants. Il y a des gens qui pensent que celui-ci c'est un homme de rien. Il y a des gens qui pensent que celui-ci quand même s'il n'a pas mon niveau, il a quand même un niveau. Le niveau dans la parole de Dieu ne se justifie pas par votre emploi dans la société. Non. Le niveau. Mosanda. Ce n'est même pas vos diplômes. Le diplôme vous a donné un plus. Diplôme mais ce n'est pas par rapport à ton frère. Par rapport à la science. Par rapport à ton frère. Le plus grand. Parmi nous, c'est notre serviteur. Et le Dieu que nous adorons résiste aux orgueilleux. Et Dieu miséricorde aux humbles. Voilà pourquoi Michal a dit à David, mais non, habité. Ce que tu as fait aujourd'hui, j'ai failli tomber. Même ma vie. N'akufa pamba. Un homme comme toi. Yo. Tu te fais découvrir comme un homme de rien. C'est vrai qu'on peut dire amen pour Michal. Mais combien nous tous ici. Nous minimisons les gens. Combien, tel que nous sommes ici. C'est là. On regarde quelqu'un. Otalimoto. Qu'est-ce qu'il a dit? Pamba pamba wana. Tu peux même la regarder. Otalie. Tire même à Tchiluba, nous mouchanana. Ah, pamba, pamba. Nous de rien là. Mouta pamba, pamba. Est-ce qu'il a même mon niveau? Il y a zana, niveau à la zali. Vous pensez que le niveau c'est quoi? Donc, allez, tu niveau à zali, nini. Alors, vous allez minimiser, minimiser. Okotiola, ocholi, ocholi. Nous avons trop de Michal. Dans la Michal, mingawa. Dans l'église. Dans le sambo. Et ce sont ces gens-là que Dieu ne lèvera jamais. Les hommes, à côté de la terre. Et comme Dieu ne les lèvera pas, il sera élevé par quel moyen? À côté de la terre. Par son diplôme. Le diplôme, là, le vol. Azoïba. Les magouilles. La flamaçonnerie. Flamaçonnerie. La politique. C'est là où il va trouver le bonheur. Nous le bonheur. Pas de ces histoires. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Celui qui donne l'élévation véritable, c'est le Seigneur Jésus. Et il le donne à qui? À ceux qui sont humbles. Les simples. Les hommes humbles. Ce sont ces gens-là que Dieu va élever. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible, moi je fais descendre les orgueilleux. Même si l'idée te fait monter. Mais si tu es orgueilleux, il va te prendre là-bas. Il va te faire descendre. À moins que tu ne sois pas fils de Dieu. Mais si tu es fils de Dieu, Okokita. Descendre. Voilà pourquoi ne cherchez pas l'élévation dans la politique. Il résiste. Et il fait miséricorde. Soyez simple. Un homme humble. Et David nous dit ceci. Secret. Alors il dit David s'en retourna pour bénir sa maison. Bon, 21. David répondit à Michal. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute
et sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que je fais quoi? J'ai dansé. Il a dansé devant qui? Quand nous venons ici, nous dansons devant qui? Devant l'Éternel. Mais il y a des gens, il regarde à gauche, il regarde à droite, il Je vais danser, moi un avocat. Ma maître. Pas jusque là. Pas jusque là. Est-ce que je peux attendre un amen? Pas jusque là. Il y a des frères qui disent pas jusque là. Il y a des sœurs qui disent pas jusque là. Mais devant celui que je danse, celui qui m'a préféré, David nous donne un secret. Le Dieu qui m'a préféré par rapport à ton père. Lisez dans le message. La force est parfaite. Frère Bernard me dit que Saoul était un théologien. Un homme important, un homme grand, un homme extraordinaire. On n'aura pas le temps de lire ça même après. Dit, c'est lui qui m'a préféré par rapport à ta maison et la maison de ton père. Il dit, alors, m'établis chef en Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22. Lisons ça nous tous. Ça, c'est vraiment important. Il dit maintenant, comme tu ça t'a chopé, comme tu t'es achopé, tu vas voir ça, je vais faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais paraître cette fois-ci encore plus fine que ça. C'est-à-dire que même si je vais enlever même les caleçons, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Plus fine que cela. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et ma baissée. Et ami qui dit ça. Ma baissée. Et ami qui dit ça. De mes propres yeux. Liboso la mise en gaïmoko. Au lieu que je me considère. Ne si que t'es ami mona. Au lieu que je me vends. Ne si qu'un ami kumisa. Que je me vois très important. Ne si qu'un ami mona mota motu a collé. Je dois m'abaisser. La singali la mise en gaïmoko. Devant les gens. Liboso la mise en gaïmoko. Devant mes propres yeux. Liboso la mise en gaïmoko. Je dois m'abaisser. Alors, qui est un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est qui? Nous allons terminer par là. Qui est un orgueilleux? Pourquoi David dit que je m'abaisse devant mes propres yeux? Il dit que je m'abaisse devant mes Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Dis l'orgueil, c'est un sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Hein? L'orgueil, c'est quoi? J'aimerais que vous se traitiez. C'est quoi? C'est un sentiment. Ça n'a rien à voir avec les mapeka comme ça. Non, mais un sentiment qui pousse quelqu'un à penser.
t'entraîne. Yembi, moi yembi. Parole même pendant, vous ne parvenez pas à la supporter. Je bats. Ronga moko, bozo kokate, drumer, drumer. Où est l'autre? Papi Moussous. Timba. Où est-ce qu'il est? T'entraîne. À ta sonité. Unika misa ma toi. Gloire à Dieu. Beta ma boko. Obeta ma boko a bien, c'est la parole de Frère Branham. Malheureux pour vous, hein? Pour sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Mayoki. Opinion très avantageuse. C'est une opinion personnelle. Très avantageuse. Très avantageuse. Le plus souvent, exagéré. Une personne a de sa valeur personnelle. De la considération due à autrui. Nakotala nenga zali konsula bato mosusu. Voilà. Je vais d'abord parler trop loin. On se limite d'abord là-bas. C'est une opinion. Ndenge akomona kososola. Quelle opinion que tu as sur toi-même? Ndenge nini omimona kayo moko? Personnellement. Ndenge zali wana? Individuellement. Yo moko tango vajo. À l'extérieur. Mbandate. Mais dans les sentiments. Na mayoki na yo akati. Quand tu es dans ta chambre. Tango vani na kuku na yo. Toi-même personnel. Yo moko vandi wana. Quand tu restes tranquille. Tango vandi kimia. Tu te considères comment? Omitala kandenge nini? David dit. David alobi. Amical. Nabikale. Je vais m'abaisser. Na komi kiti sa. Devant mes propres yeux. Liboso na miso na ngai moko. Nanu. Dieu vit ça. Tango nzambe amola kiango. Il a dit que David était un homme. Alobaki David azali moto. Selon son cœur. Engebele motema na ye. Voilà pourquoi nous mourons. Tala ngoto kufaka. À cause de l'orgueil. Na tila na lolendo. Voilà pourquoi nous sommes maudits. Yanga zali kola kila mamabe. À cause de l'orgueil. Na tila na lolendo. Branham dit que l'orgueil c'est la malédiction. Branham la bino lendo ezali ela kelimabe. C'est une malédiction. Ezali ela kelimabe. Retournons dans la prédication l'orgueil. Tozonga la litia ya lolendo. Hein, la malédiction. Ela kelimabe. Branham 17 la partie B. Oh l'orgueil, c'est une chose maudite, si horrible. L'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Et vous allez voir la punition. Mikal, à cause de ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? David dit, David alobi, je vais m'abaisser encore. Il dit, je vais paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Auprès des servantes dont tu parles. Et le verset 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Or Mikal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Pourquoi Dieu l'a frappé? À cause de quoi? L'olendo. L'orgueil. Je suis la dame, première dame. Nazali première dame. Première dame. Première dame. Première dame. Première dame. Le moi c'est Saoul. Moi c'est Saoul. La fille de David. Moi la David. Je suis la fille du roi. Gane moi ça mon épouse du roi. Gane moi ça mon conse. Tu as dit. Gamba lobi. Une femme comme ça. Moi c'est Aboui. Quand je vais lui donner des enfants. Non, non, il va les interdire. S'il a eu le courage d'interdire son mari, de danser devant moi, quand est-ce que ce sera de ses enfants? Tout ce qui lui était resté, c'est seulement quoi? Première dame. Mais sa postérité, zéro. À cause de quoi? L'orgueil. L'olendo. Tout ce que Dieu te donne. Si tu as des diplômes. Si tu as des maris. Si tu as de l'argent. Si tu as des travails. Si tu as des promotions. Répète plus ce qu'il vous donne. Répète ce qu'il vous donne. Répète ce qu'il vous donne.
Abaissez-vous d'avance. Vous allez voir. Dieu va te lever. À un niveau où toi-même tu vas commencer à dire Seigneur. Bénis même l'autre frère. Vraiment, je trouve que je ne saurais pas. C'est trop grave. Je vais vous donner un exemple de frère Branham. Par rapport à la simplicité. D'abord, est-ce que vous savez que chacun de nous a une valeur? Chacun a une valeur. Mais le problème de l'orgueil, c'est par rapport à la manière dont tu considères la valeur des autres. La valeur des autres personnes. La façon dont tu les considères. C'est là où Dieu te jugera. Prenons cette citation merveilleuse. La parole de Dieu exige une séparation totale. Avec l'incrédulité. C'est un message qu'il a prêché. Je vous ai donné ça là-bas, non? La pensée qui vient au Kuna. Hein, en fait. Ok, prêché le 12 janvier. 12 janvier. 64. Par 75. Nous allons terminer par là. 75. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? J'aimerais que ceci entre dans le cœur de tout un chacun. Tous ces croyants, nous pourrons continuer à prendre des heures de tous si ceci était dans la main de Dieu. J'ai pas bien lu, écoutez bien. Tous ces croyants, nous pourrons continuer pendant les heures. Tout ceci était dans la main de Dieu. Comme des pièces de monnaie. Tous les croyants sont entre les mains de qui? Comme des pièces de monnaie. J'aimerais attirer votre attention. Tous les croyants, peu importe sa valeur, il est entre les mains de qui? Ce n'est pas toi qui l'as mis là-bas. Même si tu m'as prêché le message, et que je suis arrivé ici, ma destinée ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un canal que Dieu a utilisé. Mais ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alors qui appelle? Nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'a tué premièrement. Il les a tous, il les a tous entre ses mains comme des pièces de monnaie. Comme des pièces de monnaie. Tous les frères, toutes sœurs, il est entre les mains de qui? Amen. Amen. Regardez ta sœur. Regardez ton frère. Dites-lui, tu es entre les mains de ton Seigneur. Tu es entre les mains de Dieu. Donc ça vous aidera. Tu n'es pas fait n'importe quoi. Vous connaissez, même si je n'ai pas l'argent, mais je suis entre les mains de Dieu. Même si la famille m'a rejeté, mais je suis entre les mains de Dieu. Même si j'ai échoué, je suis entre les mains de Dieu. C'est là, mes six filles. C'est là, mes six filles. Même si je ne gagne pas le monde, mais ceci me suffit. Il dit, comme un temps de monnaie, qui vous sortirait de votre poche. Vous pourriez faire sortir un temps de monnaie. Il y a des pièces, des cents,
the 5 cents, yabalome ya mitano, the 10 cents, yabalome ya zomi, the 20 cents, yabalome ya tukumi bale, the 50 cents, ya tukumi mitano, et de 1 dollar, et ya dollar moko, tous nyonso en pièces de monnaie. Et bien, malamo, c'est ce que le monde, c'est ce que le monde, dans la main de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent détenir cela pour une valeur d'un sens. Et Dieu ne peut les utiliser que comme une pièce. Benzambe akoki mobele kosale lokola lomea wala moko akosale la kaye. Donc lui, yeah. Tout ce que Dieu fera dans la vie a une valeur de combien? Ezala motuya aboni ya lomea moko wana. Il est important. Azala motuya. Dieu l'utilisera. Benzambe akosale la ye. Dans cette valeur. Na motuya wana. C'est tout ce qu'ils peuvent acheter. Frère Branham dit, ne le rejetez pas. Puisqu'il a la valeur d'un sens, alors vous dites, Moutou, pamba la pamba. Non. Ne faites pas comme Mikal. Mikal a dit, une personne de rien. Mikal va qui monte à Pamba Pamba. La personne qui l'appelait de rien. Monte la bête qui monte à Pamba Pamba. Avait une valeur. Azala qui l'a monté à. Même un sens devant Dieu. Attends le meilleur mot qu'on a mis sur le Nzambe. Dieu veut qu'il soit comme ça. Zamba lingas à la bongo. Ne le rejetez pas. Au bois caillette. Oh, je vais attendre la main. Oh, la lingas au ne le rejetez pas. Au bois caillette. C'est qu'a dit frère Branham. C'est l'erreur que nous commettons. S'il n'arrive pas à croire l'authentique vérité. Ce qui a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on ne le rejetez pas. Au bois caillette. Ne le chassez pas. En disant. Qui ne sont pas dans la chose. Car parfois, Dieu utilise des pièces d'un sens. Toi, tu me fais quoi dans la vie? Un homme comme toi. Qu'est-ce que j'ai cherché chez toi? Est-ce que tu me verras un jour dans ta maison? Est-ce que tu nourris ma femme? Tu nourris mes enfants? Non, mais t'as l'année permettre que je dise n'importe quoi. C'est toi qui dis ça. Qu'est-ce que lui peut te faire? Est-ce que c'est le langage de Dieu? Dieu a un autre langage. Dieu, quand il veut parler de ce même homme, il parlera autrement. Il dit malgré sa valeur, même s'il est petit, mais j'ai quelque chose à faire avec lui. Les jours que nous avions pris de l'argent ici pour donner les conteneurs. Mon colotte, je vois qu'il m'a rapporté même 100 conteneurs. Il y a les frères qui ont donné 1000 dollars. Et là, il m'a rapporté 1000 dollars. 500 dollars. 500. Il y a les autres qui n'ont rien donné. Ah, monsieur, après ça, qui est le côté. Et ce matin, pour que vous soyez assis, pour vous vendre, ce n'est pas les 1000 dollars qui ont nettoyé votre chaise. 1000 dollars qui sont les liquides là. Mais celui qui a essuyé la chaise n'a rien donné. Après ça, qui est le côté. Mais tout ce qu'il a donné, c'est sa petite énergie. Moi, ma casse là, wana. De venir seulement, d'essuyer simplement les chaises. Et celui qui a donné 1000 dollars, et celui qui a fait ça, aux yeux de Dieu, ils sont ses serviteurs. Chacun a une valeur. Voilà pourquoi débarrassons-nous de l'orgueil. Une opinion personnelle. Comment tu te considères? D'une manière exagérée. Écoutez. L'autre n'était qu'une pièce d'un sens. Abraham était une pièce d'argent d'un dollar. Il a fallu donc 100 lots
sans l'autre. Quand nous arrivons dans le mariage, quand les frères veulent se marier, qu'est-ce que les soeurs regardent? Valère Naye. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais si on peut comprendre que c'est Abraham, là c'est la volonté d'Israël. Mais si c'est l'autre, Non. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. La prière que vous allez faire ce matin, j'aimerais que vous puissiez demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma valeur? Ma valeur ne se situe pas par l'argent que j'ai. Ma valeur, ce n'est pas mon diplôme. Je suis sorti. Les Allemands étaient
une super race. Et que tout le reste des races devraient être en réalité que leur marche-pied. Il a fait la guerre au monde entier. Il a donné ça aux Allemands. Il a la super race. Être comme Jésus, je veux être comme Jésus, moi. Alors que nous voulons prier, le prophète nous dit c'est ça avec nos têtes inclinées. Les yeux fermés toujours. Maintenant, dans le message à la commission de Moïse, maintenant,
Il y croit cela. C'était alors trop tard pour eux. La destinée de ceux qui l'ont rejeté est scellée. Et Dieu envoie ces choses afin que les gens puissent être simples et humbles. Écoutez, mes amis, plus vous pouvez être simple, plus que vous pouvez être simple, plus Dieu peut traiter avec vous. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Plus vous pouvez être simple, plus Dieu peut traiter avec vous. Humble comme Jésus. Oh oui, aimé comme Jésus, moi. Venir après, nous allons prier pour vous.